Et y'a plein de gens, on se retrouve pour une vidéo pour le DLC, un nouveau DLC qui sera dans une semaine. Donc ça a été annoncé par Rockstar, donc qui s'appellera Ilgotenge, donc j'espère que je le prononce bien. Donc ce sera la partie 1 parce qu'il y en aura d'autres pendant l'été, donc je vais vous dire un peu ce qu'ils ont dit. Donc, alors, en raison d'une augmentation de la criminalité haute de gamme dans le sud de San Andreas, la demande de biens et services de luxe a un nouveau record. Haut de gamme marchands de toutes sortes se bousculent pour remplir leurs stocks afin de servir le nouveau riche. Le nouveau riche, le premier des deux livraisons grand cet été sera frappé des salles d'exposition. Des concessionnaires de voitures de luxe et les étagères des principaux fournisseurs d'armes et d'autres détaillants prestigieux. En juin, voici quelques nouvelles captures d'écran en vedette certains des nouveaux manèges et les accessoires qui viennent à GTA Online la semaine prochaine et être à l'affût d'une autre grande expédition à venir cet été. Donc voici la nouvelle voiture, donc elle s'appellera la Innis Windsor. Donc la robe de alors, je vous lis aussi ce qu'il y a écrit en dessous. La robe de la nouvelle Innis Windsor avec 8 habillages de véhicules inspirés par les concepteurs de Roquefort Hills de haut de gamme. Donc voici, elle est vraiment assez belle. Donc elle est vraiment stylée avec les petits stickers, si on peut appeler ça comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette belle voiture. Après, nous allons passer au Buckingham Swift de luxe, donc j'espère que je l'ai bien prononcé, pour une façon subtile de voyager, communiquer avec votre agent Elitas sur l'or massif. Donc voilà, après ils redisent le nom. Donc voilà, donc moi je trouve vraiment qu'il est vraiment assez classe cet hélicoptère en or massif. Donc voilà. Et en plus, apparemment, on aura un agent, donc un nouvel contact sur notre portable, je pense. Donc voilà. Donc il est vraiment stylé. Après, le PDW Combat Personal Defense Weapon bientôt à Emination. Donc il est vraiment classe en or et tout. Et regardez, on peut voir aussi un collier. Donc je pense que ce collier fera partie des nouveaux objets. Et la veste aussi. Donc voilà. Après, nous allons passer directement à la Albanie Vierge, donc les lignes classiques de la nouvelle Albanie Vierge ajoutent du style à tout garage, à toute garage. Donc elle est vraiment stylée, mais bon après c'est un peu bon. Perso, moi j'ai plus dans les sportives tout ça. Ça sera juste pour la custom et tout. Donc voilà. Après, une de mes préférées, la Pegasi Auris. Osiris, pardon. Donc elle est vraiment classe avec les portes en élytre. Donc tout comme la bienfaiteur Stirling GT, la Pegasi Osiris dispose de portes en élytre. Voilà, donc moi je la trouve vraiment assez classe. Et regardez le manteau, il en a un nouveau aussi. T-shirt aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc après, on passe au Buckingham Luxor de luxe. Tu m'énerves que c'est non. Non, mais j'arrive mal à le prononcer le début, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc il est vraiment assez classe aussi, cet avion. Donc c'est l'or massif, donc qui redit le nom. Brille dans le ciel de Los Santos. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce véhicule dans les commentaires. Des centaines de nouveaux articles d'habillement et d'accessoires arrivent à Drapier exclusif. Donc regardez, les vêtements sont assez classe. Voilà, et je me demandais si le bar c'était pas le Bahamas, mais après je n'ai rien dit, hein. Vous faites comme si j'ai rien dit, mais c'est une supposition. Donc voilà. La Pegasi Osiris aussi encore. Donc bientôt à Legendary Motorsport. Donc elle est vraiment classe celle-ci aussi. Donc voilà, donc faut savoir que je vous mettrai tous ces véhicules en même temps de la vidéo. Donc là, vous les aurez vus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et dites tout ce que vous pensez de ce que je viens de vous montrer dans les commentaires. Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, moi je vous dis peace.